coup je peux pas voir. Son nom, ah, Sarah. Baisé. Son âge, 16 ans. Signe particulier, une violence démesurée. Depuis deux ans déjà, la tempête Sarah souffle sur cette maison. Invisible et dévastatrice, mais fini. Rien ni personne ne peut l'arrêter. Pas même ses propres parents. Oh, c'est... Il y a personne qui nous aide, ça va être propre. Élevée putain, elle a dû chier, les... Sarah c'est cassos un peu quand même. T'as déjà 8 gosses, c'est cassos. Même si t'as mes enfants. T'as mes enfants aussi à ses frères et sœurs. Non, mais si t'es, même si t'es femme d'enfant, tu tues tes gosses. 8 gosses. Faut être au chaud du hein. Elle est traumatisée, elle est à peine sortie, elle est traumatisée. On a bravé quelques-unes, mais cette fois plus encore qu'à l'habitude. Là, tu peux me jeter ça, là, tu me fais chier. Sauver cette famille d'une t'as qu'à mettre la poubelle au vide. Et on la met où? On la laisse par terre traîner? Ouais. On n'est pas à New York ici, là. T'as un problème contre les Américains? Ouais. Ils connaissent pas leur géographie. Pascal va confronter sa prochaine vidéo. Prochaine vidéo à New York. On va voir si. Bon. En fait, c'est bon, une dame. Je vais me faire amuser avec. Il m'a trompé. Il m'a fait ça dans. Ah, ah, saligou. Enculé, va. Encore, Sarah va être soumise au jugement d'hommes et de femmes qu'elle ne connaît pas. C'est que le pire gros mot, parce que sur YouTube, il démonétise ta vidéo si tu dis putain ou. Sérieux? Ouais. Juste putain. Putain, merde. T'es démotivé. Bah, nous on s'attend pas à faire énormément d'argent. On gagnera jamais d'oseille, ça veut dire. Quelque part en Belgique. Ah, c'est un OG. 10 heures. Au sein de cette famille nombreuse, elle a 16 ans, déscolarisée et sans diplôme. Le plus clair de son temps. 16 ans, déscolarisée sans diplôme. Aujourd'hui, comme chaque matin, un PNJ pute. Nancy tente de la faire sortir du lit. Une mission quasi impossible et pour le moins périlleuse. Tire. Donne-moi ça, ça va. Elle a rien demandé la lampe, hein. Mais c'est la tranquille. Hein. C'est quoi ce papier peint de fou là? Ah ouais, putain. Oh, c'est une dingue par contre, face à ça, ça va être fou. Oh, c'est déjà, à son âge, elle dort dans un lit superposé. T'as vu, moi je. Elle a 45 ans, elle dort là-haut. Ah, elle est bloquée avec l'eau là. Elle est en mode, vas-y, casse-toi. Bah après, casse-toi. Avec le plafond. Mamoun est dans la haut. Mamoun est dans un super posé. Ouais. Bref, c'est pas grave, hein. C'est gênant, ça fait comment s'embrouiller. Elle a le plafond sur la tête. Le plafond me tombe sur la tête. Laisse-moi, s'il te plaît. Laisse-moi, et t'es comment ça. Oh, ça calme. Imagine les voisins. Oh, c'est dingue. Mais viens, casse-toi, quoi. Je t'ai dit, on fait ça et après, on casse-toi. Mais je crois que c'est dans le nord. Hein. Bah, ça vient, coup de bien, ça. Ça va. Non, je suis gros. Ah bon. Casse-toi, si tu viens maintenant. Il y a beaucoup de briques rouges quand même. Hein? Il y a beaucoup de briques rouges. On est vers Lille. Oh, elle est en chaussette. Entre Lille et Lons. Elle est en chaussette, elle a même pas les mêmes chaussettes, cette clodo. Tu dégages, tu me fous. De toute façon, tout le monde te connaît maintenant. Tout le monde sait comment est-ce que tu es. Très bien. Bah oui. Mais en attendant, moi, toi, que tu. Toi, tu tout le monde sait comment est-ce que tu es. Mais moi, j'en ferai pas pourtant de. Hein? Ah, faut pas. Carine des putes. Elle est insultante, elle frappe, elle est grossière. Je sais rien faire avec elle. Je sais pas avoir de contact en fait. Les chics à la SH. Je crie, aussi. Et après ça dégénère et alors on en vient aux mains quoi. Quelques minutes plus tard, normal. La situation reste tendue. Bah, il bourra la gueule, ça fait Sarah, ça mal. Elle ne va plus à l'école, après faire un peu de shopping aux frais de sa mère. Mais quel shopping ne l'entend pas de cette oreille. Achète-toi des chaussures déjà pour sortir dehors. Donc t'es en âge maintenant de faire tout ce qu'il faut pour trouver un travail. Un stage ou un travail d'étudiant. Tuberculose. Aujourd'hui, tu vas faire avec moi une lettre de motivation et un CV. Comment faire une lettre de comment faire une lettre de motivation sans être motivé? Ah oui, bah écoute, Sarah. Grandis. Comment cuire le poisson sans eau? Non, comment avoir confiance alors que le poisson se cuire dans l'eau, c'est ça, non? Je sais pas. De rappeur là. T'es mal, la bête de phrase. Sarah, c'est comme ça. Ta gueule, tu viens de me lever, me casse pas les.
fais comme ça. T'as vu déjà, moi je t'as vu, j'ai pas critiqué comme ça là. Oh non, je suis une dingue. Tu vois, j'aime pas critiquer comme ça. Vas-y, ouais. Mais déjà, t'as Daron. Elle a un Jogos Adidas avec un piercing là, là. Tu peux pas avoir de la crédibilité. On peut mettre une... Un carton jaune déjà. Ouais. Déjà. Ouais. Ah, carton orange même. Hein. Ouais, c'est limite rouge. Hein. Carton brique. On peut lever une blanche. Carton brique. Non mais t'as vu, c'est... Je juge personne. Hein. Mais moi perso, ma daronne elle est sapée comme ça. Tu sais, tu peux prendre la confiance en fait. Genre, il y a un peu un truc de... C'est ta photo. Enfin, moi je me permettrais pas, mais... Elle est sapée comme une jeune en vrai. Après tu peux saper tant comme tu veux, mais... Ouais, mais dans ce cas-là, tu dois cadrer un nouveau comportement. Parce que là... Personne. J'ai pas demandé pour moi-même, t'inquiète pas. Bah on t'aime pas, Sarah, on t'aime pas. Franchement, on t'aime pas. Mais elle, que, déjà, elle se sent pas. Tu nous prouves mal, tu nous dis même pas, tu vois. Je reste à Russe. Ouais, c'est ça le truc. J'ai jamais dit je t'aime à maman. Peut-être quand j'étais petite, mais sinon... À l'heure actuelle, non, j'ai jamais dit je t'aime. Je suis une chippie, moi. Mauvaise. C'est qu'elle me reproche et qu'elle me dise une fois pour toutes qu'elle m'aime. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un bloc entre elle et moi et que on n'a pas de relation. Bah la fuck. Moi, je l'adore, c'est ma fille. Mais j'arrive pas à lui dire. Bah, il était là, moi, il disait personne t'aime ici, là. Elle attend, je t'aime. Faut savoir. J'ai cassé au téléphone avec Mikey, son petit ami, depuis un an. Mikey. Mikey Sen. Oh, je vais me casser la gueule. Mikey Sem. Oh, Mikey Sem. Oh. Eki, Eki. Fiac. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas en bagarre là. Bagarre. Mais elle change pas sinon, ça fait deux jours la vie comme ça là. On voit son cul limite. Visiblement, ce n'est pas demain que Nancy parviendra à remettre sa salade de phalange. Sarah, tu fais ça avec moi, je t'ai dit, tu veux pas. Dégage! C'est quoi, dégage? Comment ça fait la coupe? Dégage! Faut se calmer là. Wesh. Elle est en train de s'armer là. Et j'en ai rien à foutre, dégage! Elle fait les corvées au moins, c'est déjà mignon. C'est déjà pas mal. Ah, change de canapé! Mais elle est où dans le parking là? Ah ouais. Comme nous quoi. Comme nous. Ceci n'est qu'un leurre. Là, c'est juste un drap. C'est pas sûr les apparences. Sa mère ne vit pas. Et l'arrivée de notre éducateur risque d'enlever la situation. Patrick, non, parce que pas revenu pour autant. T'as investi toi, hein. La tyrannie prend rarement du repos. Patrick le grand frère. Patrick le grand père. Patrick le beau frère. Patrick le beau qui refuse de remettre un pied à Patrick le pas seul avec Nancy. Mère transparente aux yeux de sa fille. Pas terre. Seul son téléphone est digne d'intérêt. Vas-y là. Vas-y, mets une tarte dans la gueule là, putain. Tiens. Tiens, t'as acheté quoi? Ton père n'est pas là, tu vas faire un. Tiens, mais non, ton père n'est pas là, tu vas faire un. Dégage. Mais les disputes. Attends, c'est un replay ou pas? Non. Ah oui, c'est un replay. C'est... Non. Non. Non, elle est pas, fait pareil, regarde. Ah ouais. Non, mais c'est, c'est le même trajet. C'est le même trajet de dispute. Elle va s'asseoir sur le canapé normalement. Non, elle pleure. C'est con, c'est moi qui ai les clés. Mais oui, ça rentre. Lâche pas l'affaire. Non, non, tu descends. Que veut dormir elle? Elle a débuté dans le canapé du salon pour aller dans le canapé du garage et la fine dans son pieu. Ouais. Mais je vais te faire voir ce que toi tu me fais souffrir. Viens. Je vais te faire voir. C'est des Belges. Oh, c'est ou Belge ou Nord, je pense. Hein. Au vu des maisons là. Vas-y, pourquoi je fais mec, je suis au guesseur là. Vas-y, vas-y, t'as vu, vas-y, c'est là-bas, c'est genre là-bas. Si on joue au guesseur, on trouve rien du tout. On trouve rien du tout. Mais là, on fait roi, c'est la Mauritanie. Bah non, fils de pute, c'est l'Australie. On est nul. Exactement. Hé, je m'en fous, descends. Oh là là, le, oh, le sourire. Descends, je te donne. Oh là là. Descends. Wesh. Elle a 16 ans, en fait, tu commences. Ouais. Oh, suicide. Ah, vous me suicidez, là. Je rigole, elle serait fait une cheville. Ciao. On va canaliser le démon qui est en toi. Furieuse, Sarah menace son tour de s'enfuir par la fenêtre. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Tu veux que je sors? J'ai pas envie de message à ton Mikey. Ça va. Mais il serait peut-être temps que tu te rendes compte que toi tu dois pas foutre le bordel dans ma vie à moi alors.
Moi, je fous pas le bordel dans ta vie. Je te laisse voir ton Mikey. Il est venu ici. Je te laissais encore dit que tu allais le voir tantôt. Mais toi, tu fous le bordel dans ma vie. Oh, c'est belge. Ah, oh, ouais. Sarah, moi, je te promets. De toute façon, c'est ton père que j'ai envoyé le message. Tu l'as vu? Nancy est dépassée par le comportement de sa fille. Mauvaise. Et rongée par la souffrance. Pour savoir que les filles en sont arrivées là, il faut revenir quelques années en arrière. Oh, c'est pénifiant. Nancy et Fernand filent alors le parfait amour et décident de fonder une famille. De leur union, naîtront 8 enfants. Christopher, donc il a 26. Christopher, c'est maintenant il fait les anges, les Marseillais, les ch'tis, ouais. Et il est motivé. Bah, c'est puis il y a Sarah, 16. Puis après Sarah, c'est ça qu'on propose aux gens, plutôt. On a 10. Francesca, qu'on a 6,5. Ouais, alors enchaîner. Hein. Faut s'arrêter là. Ah, faut arrêter là. Stop. Les frères et sœurs en train de fumer le PIB là. A jouer les enfants terribles depuis 2 ans. T'es en train de plomber la nature là. En fait, c'est elle qui décide tout. On est obligé de se plier. Fernand, alcoolique. Elle frappe tout le monde et elle arrête pas. Ben, il m'y traumatisé. Oh. Après, c'est papa et lui doit repeindre tout. Oh putain. À ce point. Oh, la respiration qu'elle a pris. Gérer 8 enfants à la fois. On dirait qu'elle a posé un 16 de ouf. D'info, Eminem. Eminem entre deux ans. Ah ouais. On s'est pas dit je t'aime depuis des années. Depuis des années, pas seulement en fait. Elle me reproche des choses que je sais pas, et moi je lui reproche différentes choses aussi. Pour ma maman, ouais, ça doit être ça, à l'heure actuelle, j'ai pas beaucoup d'amour. Nancy, qui mène sa famille à la baguette, est désarmée face à Sarah. Il y a beaucoup de meufs. Jour hein. Après jour, le climat se dégrade un peu. Pas bruyant. Entre la Christopher, l'aîné, c'est tout, qui est motivé. Nancy, oh, le terrain de bouliche. Ah non, il est mort. Et ses deux aînés, Laetitia et Kevin, à un conseil de famille. L'ordre du jour. Eh, hey, tu vas pas me casser les couilles. Moi, je suis sans principe. Elle a envie jusqu'au bout de te faire. T'envie quoi, Sarah, de me foutre c'est Citroën, non. La centrale de Citroën, moi. Ouais. Maintenant, tu me dis franchement, tu veux quoi? Que tu partes. Ça se dit pas déjà. Ta mère, ouais, je veux que tu partes. Bah, c'est toi, ça. Si c'est pas elle qui part, c'est moi qui pars. Je demande pas. Donc, passer, en fait, je elle va vivre avec Mikey. Vas-y, pose un 16 la centrale là. Je laisse avec Sarah. Oh, non. Oh, qu'on a des gays. Prends les petits. Et non. Imagine, elle met ses écouteurs, elle est comme un verre. Je comprends rien à ce qu'il raconte. S'il te plaît, Sarah. C'est toi qui décides quand on peut manger. C'est toi qui décides quand on peut se laver. Elle a 8 gosses. Non, 7 gosses, 8 gosses. Dans quelques heures, il viendra. Attends, il a mis un regard derrière la caméra. Elle a vu quoi, elle a fait. Nancy a d'autre choix que de faire appel à Mikey, le petit ami de Sarah, il est là. Pour tenter de la raisonner. Il ressemble à quoi, Mikey? Mikey, tu sais bien comment ta copine est des fois à la maison, toi? Une solution vu, là. Qui n'en est pas vraiment une sûre, toi. Car la conquête de mademoiselle n'a rien d'un genre idéal. Sans emploi, plus à l'aise aux jeux vidéo que derrière un bureau, le jeune homme collectionne de surcroît les mauvaises batteries. Il y a plus de batterie, sur la tondeuse. D'un piètre médiateur auquel Nancy et son mari se résolvent la mort dans l'âme à faire appel. C'est dire combien le désespoir est grand. Bah Sarah, on va expliquer un petit peu à Mikey, non? Parce que quand elle est ici à Mikey... Mais attends, Sarah, il a quel âge, wesh? À la saison? Elle frappe sur Laetitia. Bon, il doit avoir 40. 40? Il y a rien normal, hein? Tellement, voilà. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle frappe sur... Mais moi, c'est ça qui me stresse, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait, les mots? Ouais. Tu la mais elle fait quoi, là, faire les mots, là? Elle se cache là, derrière lui, là? C'est pas des comportements... Ça retait que dégradé, moi, même. C'est pas là, c'est pas du tout la même Sarah que tu vois ici, hein. Ça, je peux t'assurer, hein. Elle s'en bat les couilles, Mikey s'en bat les couilles. C'est tapé sur le nom. Mais elle est droite, ça daronne. Arrête! Arrête, tu vas t'en prendre une! Arrête! Pour revenir sur le sujet qui fâche, qu'est-ce qu'ils font là? Mais déjà, rien que ce comportement là, c'est la daronne! C'est dingue, cette tenue là! C'est une dingue! Le daron, il fait quoi là? Ah là, je fume pas le cheveu là, déjà c'est la galère là! Attends, tu crois que je vais aller travailler, je vais rentrer, toute la journée elle va rester là, elle va rien foutre. Voilà, et elle, surtout que tu vas travailler, elle sera avec sa copine, toi? Mais non, mais ça oh, c'est vide. C'est vide. Attends. La cafetière est débranchée là. On va pas très très loin. C'est vide là. Là? Ouais. Non, c'est tout, ça va. Y'a pas d'avenir là-dedans là. Oh, c'est une dinguerie quand même. Vous n'avez pas d'avenir. Vous voulez faire quoi plus l'année prochaine? Un BTS? Non. Non. Quand il vient ici à la maison, le peu qu'il vient et qu'on voit de temps en temps, on dirait qu'il rit un petit peu, il se tracasse pas de la situation de Sarah. Il sent pas les couilles. Moi, c'est... Voilà. Je vais juste faire un gosse et vas-y, toucher les allocs.
Ah, ils s'en bat les couilles. Et ah, bah, je comprends. 7, beaucoup, beaucoup pour moi. Oh. arrête ça, s'il te plaît. Mais non. Et donne-moi Stéphane. Non. J'en ai marre. Dégage. Oh, ça y est, on est reparti ça. Allez, donne-moi Stéphane. Il a pris d'un seul poste de sécurité parce que c'est la mort. C'est la mort la vie. J'ai ici, non. Il attend le carton rouge là. Il attend. Il attend le tac là. Pas comme ça après. En plein magasin, devant tous les gens. Il attend le pied haut là. Ah ouais. Comme tu veux, hein. Moi je m'en fous. Donc c'est des gros mots, des insultes. Comment elle est sapée par contre, c'est une dinguerie. Impressionnant. De toute façon, je vais le remettre. C'est vraiment Sarah qui a pris le pouvoir visiblement. Non, sa mère elle subit, elle est là, elle ose rien dire. Ah, j'ai que envie, c'est de descendre. Oui. Je le reprends. Ben, et arrête ça. Non, je te jure, ici, j'en ai marre. Je m'en fous, Sarah, je le prends. J'imagine le stress qu'elle doit avoir, la daronne. Bah, tu peux, bah, vas-y. Au quotidien, genre. C'est une dingue. Pascal est outré par la situation. T'imagines, elle peut même pas aller faire ses courses tranquillement, la pauvre. En plus, pour sa gueule, les courses. Mais non, il va la prendre dans un rayon comme ça. En mode Interpol. Viens, sale pute. On va dire ça, je pense. La vie, je crois. Et s'il arrive là. Oh, encore peur. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît. Viens, c'est moi. Je te parle. Ça a quand peur. Ah, de ouf. Oui, mais la mine, lui. Ouais. Ouais. Ouais, tranquillement. Bah, ouais. T'insultes ta mère. Bah, ouais. C'est que ça fait une heure que je te suis. Bah, je m'en fous. Bah, je te le dis. Ça fait une heure que je te suis avec les caméras. Ouais, fiche. Ah, ouais. Je suis parti de chez toi. J'ai entendu des images, j'ai vu des trucs qui m'ont choqué. Bah, je te le dis. T'es pas assez bien. Bah, ouais. Donc, qu'est-ce que je fais ici, alors, dis-moi. Bah, je sais pas, je m'en fous. Non, dis-moi, qu'est-ce que je fais ici? Je m'en fous. Non, mais moi je te pose une question, donc tu me réponds. Je m'en fous. Écoute-moi bien. Ah, quand même, fin, gamine. Je suis pas ta mère, je suis pas ton père, t'as compris? Bah, tant mieux. Je suis ton culé. T'es une petite merdeuse, moi je te le dis. Bah, toi aussi. Bah, non, t'es une petite merdeuse, d'accord? Toi, t'as quoi alors? Bah, je suis quoi? Vas-y, dis-moi, je suis quoi? Tu te prends pour la reine? Bah, c'est toi, tu te prends pour la reine. Bah, c'est toi. T'es la reine chez toi, apparemment. Tu joues la bonne. Ça se voit, elle a la coulante quand même. Tu vois, moi je suis fort. C'est son ego qui parle, mais elle est comme ça là. Tu crois? Ah, sert le cul, toi. Ah, ouais, sert le cul. Non, tu t'en bats le coup, t'es nana, t'as pas de coupe déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais fonctionner ton cerveau. Là, tu vois qu'elle a pas le même comportement. Ton cerveau, fais le fonctionner. Ça me touche pas, c'est toi. Je te touche, rien. Tu vas faire quoi? Tu que j'ai peur de toi? Mais tu me fais rire, regarde, je te touche, regarde, je te touche. Regarde, je te touche, regarde. Alors, ça fait quoi? Tu es obligé de te toucher? Regarde, je te touche. Moi aussi, je te touche. Mais moi, je m'en fiche. Bah, alors. Gênant un peu. Vas-y, clou, là, Pascal, là. Pas trop, là. Moi je te touche, j'ai envie. Ça va, en casse ça dans le rayon yaourt, derrière toi. Tu pommes comme ça là, dans les frites, on en parle plus. À 10 ans on fait ça, ouais, c'est bien, bravo. T'es une enfant, réfléchis, grandis. Je suis juste pour être ton père. Ouais, ça va, j'en ai rien à foutre. Je suis pour être ton père, tu vois ce que je veux dire? Non, je suis pas mal, déjà tu peux pas parler comme ça. Moi j'en ai rien à foutre. Bien, viens, sois bien, sors. Vas-y. Balaye là. La haga. C'est une grosse. Pour quelle raison? Pourquoi t'insultes ta mère? Je te sais une peu. Mais c'est ta mère, tu sais, toi t'insultes en fait, ta maman qui t'a faite. Je m'en fous. T'a portée. Mais pourquoi t'es comme ça avec elle? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Il y a forcément quelque chose, Sarah, il y a forcément quelque chose. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pour que tu sois comme ça, c'est pas normal. T'es d'accord ou pas? Oh la transition. Ouais, ça fait plaisir, pas de dire, je t'ai jamais aimé, je te regarde pas dans ton. Voilà, tu vois bien qu'il y a quelque chose. Ah ouais. Ah la transition, elle était là, c'est la bonhomme, elle a l'air. Ça finit derrière le carrefour là où tout le monde pisse. Franchement. Tous les gars comme nous ils pissent. Est-ce qu'on en avait plein le cul qu'il y a pas de chiottes dans le bordel? Je t'ai rien fait. Moi je viens là, c'est télé. Elle a la tente là. Elle est entre King Cooking et C'est une dingue. C'est pas normal qu'elle puisse penser qu'elle aurait dû t'abandonner. C'est pas normal. Avoir une relation mère-fille-mère déjà. Et mais qu'est-ce qu'elle est moche, une dingue. Avec mon frère et ma soeur. À la nuit tombée, Pascal, Nancy et Sarah débarquent en pleine forêt. Derrière ma soeur. Ce bootcamp, loin de leur famille, par une température de 5 degrés, les deux femmes vont devoir cohabiter de gré ou de force. Tu peux le faire? Pour éviter tout conflit entre la mère et la fille, notre éducateur impose ses règles. La première, c'est la confiscation pure et simple du téléphone portable. Une mesure radicale que Sarah ne relation fille-mère. Je vais vous demander, c'est de sortir votre portable et de les poser là. C'est pas possible. Ah, je suis juste de les poser là pour moi. Non, y'a pas moyen. Repas de roi. Repas de roi, la petite coquillette. Après, il va me. Non, je suis pas là pour te causer des problèmes, t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Je te demande juste simplement de le poser. Je t'ai pas demandé, j'ai pas dit j'allais le prendre. Mais non. Montre-moi que t'es capable de poser un portable sur une table. Parce qu'elle va pas pouvoir parler à Mikey, la vie. Alors, on va pas avancer, toi, non. Bah, tant pis, mais moi, je donne pas mon téléphone, je vais perdre mon copain pour des conneries. Non, c'est faux. Bah, si. Bah, non. C'est faux.
Vas-y, il envoie des lettres, il me casse les couilles, il a rien à faire, il a pas de taf, c'est bon, faut juste qu'il aille chez le coiffeur. Hein. Parce qu'apparemment, Mohamed, il a raté le dégrade. Pas de santé quand même, non. Oh, gentil. Wouah. Mais plus pour longtemps. Petite brioche. Café, brioche, quotidien d'un artiste. Regarde, ça c'est pour charger ton portable. Ça je le prends. Tiens, regarde, ça c'est pour charger ton portable. Tu veux jouer avec t'es moi, quoi t'es t'as 9% non, de batterie. Bah tiens, regarde. Hey. Tu n'auras plus jamais ton câble. Ton Mikey. En fait, il s'appelle Mickey. Hein. T'as plus tu rajoutes un accent, mais il s'appelle Mickey. Sarah. Laisse personne. Un choix. Ouais, t'aurais dû en vouloir à ton père dire papa, ce que t'as fait, c'est pas bien. C'est mon mal part, je comprends. Yoma J. Ama Alevarement J. Yeah. Moi, je suis un creeps. Allô. D'après ce que tu dis, hein. Te donne plus d'amour que ta mère, tu t'es vengé sur ta mère. Et Sarah, entre nous, tu t'es complètement trompé. Mais si ton père l'avait pas fait ça, ta mère serait jamais partie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Jamais elle serait partie. Tu vois ce que je dis ou pas? Et jamais je pense qu'on en serait. Tu vois, Adrien, c'est un genre. Tu vois? Aujourd'hui, autrement. on a plus d'ennui. Eh, vous pensez que le mec a découvert le chocolat à pain, il t'a un genre ou quoi? On va rester. Après, t'as Daisy, t'es comme ça. On a bien avancé. Allez, bien. Oh, je suis mort. Elle a fait une erreur aussi, donc. Il disait physiquement, elle lui disait prends ton rôle, quoi. C'est à toi de jouer. Et elle vous le donne, faut que... elle cherche pas à vous le prendre. Je suis désolé. Hein. Elle cherche pas à être un mec là dans non, l'histoire. Non, c'est pas grave, y'a pire. Hein. J'ai un Mickey. Un Mikey. Vous le prenez pas complètement. Parce que vous êtes. C'est ce que j'avais dit, y'a un Mikey. Si on pouvait m'oublier. D'accord. Y'a rien d'autre. Rigolez pas parce que vraiment c'est la catastrophe dans la. On compte. Exactement. C'est pour vous. On va reprendre mon rôle de père et quand je parle avec ma fille, la regarder dans les yeux. Exactement. Oh là là. La base, hein. C'est la base de la vie. Il a quel âge lui? Il vient de naître ou quoi? Pour notre éducation. Y'a personne dans les yeux ou quoi? Le changement. Non. C'est un de ses engagements. Ça va? Ça va, ça va et toi? Tranquille. Bah ouais, non mais je te comprends. La vie, je comprends. Franchement, archi important ce que tu m'as dit. Écoute, ma fille, tu fais pas ça. Aller vraiment au fond de nous et dire, voilà, c'est vrai que ça, on devrait pas faire. Elle a fait 8 gosses. Il a plus de 50 piges. C'est un de ses deux engagements majeurs. C'est de regarder sa fille dans les yeux. On n'a jamais fait. C'est terrifiant. Et lui parler, lui dire les choses. Terrifiant, ça va être le titre de la vidéo, je crois. C'est terrifiant. C'est terrifiant, point. Je veux dire, en même temps, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un toxico, oui. Il a une tête de ouf, frère. Je sais pas, on était vraiment bien. Il prend de la sauce, je suis sûr. On ne servait plus rien, quoi. Christopher, c'est un barbeau, je crois. Voilà, vas-y, balance. Pense à lui. Tout faire. Voilà, pense à lui. Encore. Blessé. Encore. Blessé. Ouais, blessé. Encore. Je ne pardonnerai jamais. Ouais, encore, quoi d'autre? Parce qu'il me rabaisse tout le temps. T'as vu il me traite de grosse. Oui. Il dit que je ne ferai jamais rien. Oui. Et il me frappe tout le temps aussi. Oui. Son sweatshirt zèbre, il me terrifie avec les retouches sur rose là. Ah ouais. Je savais pas ça. Attends. On a zappé un truc là. Non. Et si, elle a dit un truc de ouf là. Il a dit je savais pas ça, on a zappé un truc de ouf. Non, je crois qu'il parlait de tout ce qu'elle a dit et tout ce que son frère lui dit. Ça cesse tout ça. Voilà, pense à vite. Non, il y a un truc, c'est pas possible. Encore. Il y a une couille. Encore. Il y a une couille dans le pâté. Ouais, c'est ça. Il y a un lit sous le caillou là. Je vais pardonner sa mère. Ouais, encore, quoi d'autre? Mais... Parce qu'il me rabaisse tout le temps. Quoi d'autre? Il me traite de grosse poule. Il dit que je ferai jamais rien. Oui. Et il me frappe tout le temps aussi, ma tête étranglée. Bah c'est pas grave. Frère. Ça arrive hein. J'avais pas ça. Et du coup comment il a fait? C'est genre, c'est quoi la technique? Il peut me montrer. Genre, comme ça ici à cet endroit là. Comme ça avec les deux mains et qu'une seule main. T'as vraiment cette situation? Bah ouais, ils m'étranglent et ils ont rien dit. Oh là. Oh le cul, c'est une dinguerie, c'est désolé mais... Elle a un gros rôle, Laetitia, dans le problème. C'est la source. C'est elle la source. C'est elle qu'il faut éliminer. C'est la source. Non, ça fait bizarre là. Fusion. Allez, fais un truc. Je mettrai un truc au montage. Ah ouais? Non. Non, flemme. Ça t'a refroidi d'un coup là. Non.
Vu qu'on n'a pas de monteur, c'est moi le monteur. Pour mettre un terme, donc là, faute de budget, on n'a pas d'argent. Hein, faute de budget, on n'a pas d'argent. Là, on a mis un drap. Mais faut pas tout montrer. Pascal l'invite à monter sur une plateforme gonflable destinée à la lutte. Allez, c'est ce parti. Ah, ça se pète avec deux coton-tiges là. Et coton-tiges du Luc. Ah ouais. Entre Sarah et sa soeur. Ah, son grave à la daronne. Qui est elle? Ah, Laetitia. Ah oui, bah t'es dit, je dirais la daronne, t'as l'air. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Bah, j'ai cru que c'était sa daronne. Oula. Elle... Non, elle dit que je couche avec tout le monde. Putain, c'est quoi cette chaise d'enculé là? Moi tomber. Oh la deux merdes. Allez, c'est parti. Je suis plus forte. Allez, fais-moi tomber. Regarde, c'est moi qui gagne jusqu'à maintenant. Ah plus frère. C'est moi qui décide, tu vois. Non, j'ai quoi? Dis rien. Sandwich au thon avec tomate crudité marinée. Vas-y, encore. Et quoi d'autre aussi? Encore, tu peux. De la salade. Et, allez, essaye, essaye. Et... Ah oui. Il y a une tarte brunie un peu, non? Exactement. Ah, c'est ça, ouais, ça. C'était le petit côté un peu sucré là, j'ai senti là en arrière. C'est ça. Repousse là. Repousse les insultes encore. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, votre sœur, elle est encore vierge. Ouais, vierge. Bah, je vous le dis. Moi, je vous le dis parce que. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. J'ai été voir. Je vous le dis. Il a une bouteille d'eau. Je vous le dis. Je me suis occupé d'elle là dans les off. Je peux vous dire que quand les suis rentrés. Je peux vous le dire. Oh non. L'adolescente s'invente des vies. Aux grandes dames de Kevin et Laetitia qui n'ont qu'un espoir, que leur sœur cesse de se couvrir. Oh, ça m'a blasé là-dedans. Là, je rigolais avant, mais là, ça m'a blasé. Et qu'elle se fait une réputation pour rien de lui. On l'a déjà dit 10 000 fois. Elle ne comprend pas. Pour elle, c'est un. Vas-y, rap. Oui, rap, t'es mieux. Can I be gay? Can I be gay? Elle est la chute des gens à cause de ça. Elle est loin de là. Tu as entendu ce qu'il a dit ou pas? Ok. Je voudrais aussi passer du temps avec maman, elle et moi. Ouais, elle parle comme si elle avait 5 ans. Avec maman, elle et moi. Passer du temps avec maman. Maman se montre déterminée à renouer les liens avec sa sœur. Détache-toi. Faire un câlin, tu crois? Se produit alors dans la tête. Câlin de ou pas? Moi, je veux que la guerre s'arrête maintenant. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête maintenant? Une musique joyeuse. On fait un pacte ensemble. Oui. J'imagine bien le chanteur. Ouais. C'est une chanteuse. La vôtre. Y'a Pioli! Shogun Twice! Vous voyez là, pour la première fois, vous vous touchez. Sans violence. Donc là, on part direction la boîte, motivé la tête aux pieds. Motivé! Aujourd'hui, devant moi, que tu me dises des choses. Quels sont les efforts que t'es prêt à faire? Mais lâche ma main, t'as vu? Lâche ma main! Un peu particulier. Notre éducateur a réuni une quarantaine de. Le visionnage pour préparer la finale. Afin de leur faire visionner. Finale de la Coupe du Monde. De Nancy et Sarah. Ah, pas trop, là. Il y a Dédé qui va arriver. Merci à toutes. Merci d'être venu. Ouais, écoute, Olivier. Il y a une petite projection pour vous. Ouais, écoute, Olivier. Griezmann, il va faire des ouvertures. Il va te faire des balles. Donc, toi, Olivier, coup de casque. Donc, si vous êtes choqué, dites-le. Non. Et si rien ne vous choque, dites-le aussi. Ça m'intéresse de savoir un petit peu comment. Franchement, c'est vraiment l'écoute. Ouais, t'es de la tête de ouf. Je suis. Allez, je suis sans moi après. C'est moi, j'ai un poids Sky. Je suis même. T'es vraiment un bâtard. Elle est trop moche, désolé, mais elle est archi moche. Mais on est éclatés, frère. Je m'en fous, personne ne voit. Pas sûr, moi non plus. Moi je dis toujours. Deux cœurs qui. La regarder. T'es qui toi? T'es qui toi pour me dire ce que je dois faire? T'es qui toi? Hagrid là. Qu'est-ce que tu fais, Hagrid? Maman, je t'aime. Oh, j'ai ma fille à la 16 ans. Elle l'a dit. Oh là là, putain, mais qu'est-ce que. Des frissons là. Elle a où? Hein? Elle se barre? Bah, elle a un van là, elle doit aller au festival de Cannes. En fait, bah écoute, elle était debout là-dedans, mais elle lui dit il y a quelque chose que tu devrais dire à ta maman. Ouais, mais elle a dit ça, c'est barré, donc c'est pas, ça compte pas. Tu lui as déjà dit que tu l'aimais. Elle est du thème après, elle a fait. Voilà, j'ai trop honte, tu me casses. Voilà, j'ai trop honte. Et là, Sarah était émue, elle est tombée. Malafak! T'as vu, on fait la cover de. Ah, c'est. Avec elle, on peut. C'est comme ça un peu. Ouais. Putain, mais qu'est-ce que ça chiale, je pouvais remplir la bouteille. Ah ouais, putain, les larmes vont sortir de l'écran à force. Je pouvais remplir la bouteille, t'es mon tâche. Et que je faisais ça. Et que les gens m'ont aidé aussi
à comprendre que ça ne servait à rien de frapper, crier, dire des gros mots. Ça ne servait à rien, qu'on pouvait se parler sans crier. Plein d'espoir, je suis sûr, Pascal poursuit elle y pense même pas ce qu'elle raconte. Il s'agit de juste que la mission est dans l'objectif pour lui redonner goût au travail. Car à 16 ans, Sarah ne va plus à l'école et n'a aucune perspective d'avenir. Ah, réinsertion. Un constat auquel notre éducateur ne peut se résoudre. Ah, ils vont la mettre. C'est dans un restaurant que Pascal et Sarah sont attendus. Service. S'appelle Alain Darroze, ancien chef de la présidence de la République. Tiens, viens. Souviens-toi. Je te présente le chef. Mais ça, tiens. Une affaire. Après Kevin, du coup, ça va être une fille que je vais me taper. Je te la laisse. Ouais. Je sais pas dans quel état, mais. T'inquiète pas de l'état, hein, c'est moi qui vais m'en occuper de l'état. Putain, on va prendre une salir ça à cause de sa réputation à faire beaucoup de choses. Ça, c'est un bon gars. J'ai fait toi à l'épaule Bocuse. Mais la mayonnaise n'a jamais vraiment prise. Aujourd'hui, la jeune ado sera évaluée par le chef Darroze pour voir si elle a, oui ou non, un avenir dans ce domaine. Tu sais casser les œufs ? Oui. Moi je vais casser ton cul. Car Sarah ne s'est pas cassé les couilles par contre. Comment le chef Darroze va-t-il s'y prendre avec cette adolescente dure à cuire? Yes. Sarah acceptera-t-elle de lui obéir? Adolescente dure à cuire, petit jeu de mots. Ouais, restauration et tout. Et après, il y a des croûtons à faire. Les œufs, c'est dur à cuire. C'est pour faire le dessert. On va remplir, raisin porte-pièce. On prend le dos de la cuillère, on va tasser. T'as l'histoire de la famille Adams, lui. Tu vois ça? Voilà, tu l'es, hein? Ah, il faut qu'il croque là aussi. Il vient chez le coiffeur aussi avec Mikey. Donc il fasse une fusion. En fait, il faut qu'il donne ça à Mikey. Voilà. Parce que là. Et Mikey, il lui donne le reste. Mikey, il donne le haut. Des pommes caramélisées. Il est midi et le service a déjà commencé. Là, tu prends deux assiettes derrière, les assiettes blanches, plates. Oh, c'est chaud. Allez, Sarah, dépêche-toi. Allez, on y va, on y va, on y va. À présent, Sarah s'attaque aux pintades sous l'œil intransigeant du chef. Oh, le cadenas! Mon temps bien sécurisé! C'est Mickey quoi qui parle? Oh, c'est chaud! Il faut que les deux assiettes soient identiques évidemment, hein, parce que c'est tous les deux pour la même table. Impeccable! Super! Ah, c'est quoi ces traces de pneus là, bravo! Bon, ce n'est pas encore demain qu'elle décrochera sa première étoile. Ouais, New York, c'est dingue! On peut tout de même lui reconnaître une certaine assurance. On enlève deux desserts! Ouais, c'est ça. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Tu veux partir, tu veux rester près de la famille, tu les aimes, n'est-ce pas? Est-ce que la proposition te fait plaisir? Est-ce que toi, ça t'intéresse? Oui, non, voilà, ça pue la merde. Moi, je veux pas travailler là-dedans. On va branler, moi. Sûr? Bah oui. Tu vois ça? C'est le foulard du Père Noël basque qui s'appelle Olencero. C'est un signe de générosité. Je te le donne pour que tu sois généreuse. Yes. Attends, je suis jaloux. D'accord? Oui. Tu penseras à Olencero. Oui. C'est moi, Olencero. Je voudrais dire à Alain un grand merci pour C'est un peu... Ah, t'as vu? Et Débat. Ouais, débat. Bizarre. Hein. Qu'il restera tout moi, je pense. Et que j'espère avoir de ses nouvelles. Hein? Attends, remets la phrase qui vient de sortir, là. Elle veut se taper le vieux, là, elle dit. Non, mais... Ah, dis ça. Écoute. Je trouve ça terrifiant. C'est moi, Olencero. Ah, là, putain, il fait le curry, là. Ah, c'est horrible. Pédo, ce qu'il a fait. Et que je l'oublierai jamais, qu'il restera toujours dans mon cœur et que j'espère avoir de ses nouvelles. Attends. Mais pause, s'il te plaît. Attends, elle l'a vu 2 minutes. Elle a fait deux assiettes avec lui, frère. Il lui a donné un foulard? Ah, je crois qu'il lui a pas donné qu'un foulard. Quoi d'autre? Relance la vidéo. Ça va relancer. Mikey, t'as du fil à retordre. Et beaucoup de fil à retordre. Ah ouais. L'adolescente comprenne combien le courage et la détermination peuvent lui permettre de déplacer des montagnes. On est chez Trevor. De s'en extraire. J'aurais déjà fait un accident sur GTA. Il va sauter de 45 mètres à 50 mètres du sol, l'avenir de Sarah. Ah, j'ai le compas d'envie quand même. Ouais. Putain, c'est beau ça. Non, je fais pas ça. Alors attends, je t'explique. Non, j'ai toujours non toi. Même c'est une tyrolienne. Gagnée par la peur du ça va, c'est bille. Sarah est à deux doigts de craquer. Là, c'est l'épreuve la plus difficile. C'est la dernière épreuve. Non, j'ai trop peur. Ah, écoute-moi. C'est trop. Ah, on se rend peur. Alors, il m'a dit voilà.
je voulais te dire que je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Oh la lettre. Mais tu faisais jamais rien avec moi. Mais maintenant ça va changer. Aussi bien toi que moi. Je t'aime maman. Oh, j'ai des frissons de... Oh là là. Je vois vraiment qu'elle a envie que ça s'améliore. Je vois que... Elle sent pas les couilles juste parce qu'elle se casse là. Elle a envie vraiment de se prendre en main quoi. Oh, et voilà, c'est reparti. Je voudrais te demander de me faire un peu plus confiance. Je vais faire tout pour avoir quelque chose. Je suis désolée pour le passé. Maintenant, on va avancer avec le présent. Je t'aime. Mais arrête de tromper maman. Bah ouais, c'est ça le problème. Pour Sarah, parce que je crois que Pascal a fait un bon travail, franchement. Et j'espère qu'elle a compris tout ce qu'on lui a expliqué, que c'était pour son bien. Ouais, toi aussi, j'espère que t'as compris. Arrange ton gag, mon grand. J'espère qu'elle va nous en rendre, quoi. Mais on fera tout comme Pascal nous l'a demandé, ça c'est sûr. Oh, c'est un fusil. Je voudrais vous dire à toutes les deux que malgré tout le mal qu'on s'est fait, on s'aime l'un l'autre. T'es mon frère et toi, ma soeur. À moitié morte à droite là. On doit apprendre à s'aider ensemble, mais oubliez pas que je vous aime. Allez, on est très bon. Allez. Ah, il est une centrale. Oh non. How can I be gay? Il va aller en studio comme ça. Il va faire un collant. Ah ouais, tout. How can I be gay? Comment ça? C'est de bonnes bases maintenant. D'accord? Yeah! Elle est partie là maintenant. Elle a fait très bien, franchement, je suis fier d'elle. Et j'espère que dans son avenir, ça va aller beaucoup mieux avec nous et qu'on va retrouver une vie saine. Non, mais range ton gig! Oublie pas! Il n'y a plus les problèmes. Range ton Glock! Moi j'ai la dessin de zinzin! On va devenir au moins une vraie famille. C'est lui qui est le dessin? Non, c'est le nombre. Avant de quitter Pascal, la vie c'est l'ombre, regarde. Une dernière surprise à ses parents. Des crêpes qu'elle a elle-même préparées lors. On va redevenir au moins attends, je... une vraie famille. Que tout le monde va s'aider. Ah, t'as vu? Ah ouais. Les uns les autres. La lumière avant de quitter Pascal, Sarah réservait une dernière trop bien, surprise les crêpes, ouais. Des crêpes qu'elle a elle-même préparées lors de son initiation à la cuisine sous la houlette du chef Alain Darroze. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui trouver un très bon stage. Elles sont bonnes tes crêpes. Bravo ma fille. On se régale hein. Miam miam. Ça a l'air trop bon. Essayer de passer un diplôme dans la cuisine. Elle a mis un molard dedans là. Attends mais je veux voir, est-ce qu'il y a un là. Du tournage, Sarah a quitté Mikey, son petit ami, qui n'a pas adhéré à son changement de comportement. Bah oui c'est lui. Laetitia, qui a connu un heureux événement, a demandé à sa sœur de devenir la marraine de son enfant. Nancy et Sarah ont retrouvé leur complicité et l'harmonie est revenue au sein de la famille. Vendez votre jean à Pierre. Vos chaussures à... Débrief. Débrief. A commencer par quoi? Par quel point? Faut pas taper sa daronne. Voilà. On a le même QI qu'elle. Salut. Allez, j'aime bien.